Salut tout le monde, c'est MrX63 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente desquelles j'ai pu faire auparavant. Une vidéo présentation de ma Derby Sanda X-Race. Normalement fait pour l'enduro, même si c'est qu'une 50. Désolé pour le temps, il y a un peu de vent. On est le matin, mais on devrait pouvoir y arriver. Pour ce qui est du pot, c'est le pot d'origine, débridé. J'ai fait quelques modifications dans la cartouche, j'ai fait des trous dans la chicane. J'en ai enlevé un peu. Pour ce qui est du kitchen, j'ai actuellement un 14,53 ou 54. Mais j'ai acheté un 11,54. J'ai juste changé le pignon de sortie de boîte. Je mets le 11 pour quand je fais les chemins et sinon je mets le 14 pour la route. Je fais du 80 avec le 14 et du 70 grand maximum avec le 11. Voilà. Ce que je préfère, c'est en nervosité, c'est sûr que c'est le 11, mais sinon 14 pour la vitesse. J'ai mis quelques autocollants, Ippon, Yamaha, bon si ça va pas trop avec, mais bon, Pro Bike Shop, Thor. Voilà, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai mis un rétro TNT. J'ai changé les roulements il n'y a pas longtemps, mais bon. Ça fait deux fois que j'y change parce que je fais pas mal de sauts avec celle-là. Le moteur, c'est tout d'origine, carbu de 14,5. Amortisseur pareil, j'ai fait une prépa de boîte à air. Donc j'ai fait quelques trous dans le cage du filtre à air. Ça, le bruit est assez bien. Ça fait un beau rendu, je vous montrerai tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien, je vais essayer d'économiser pour une Gear Pro, si quelqu'un connaît. Une Gear Pro, ça coûte environ 70 euros. Bon, c'est une caméra embarquée. Les fixations, moi je vais les mettre, je pense, sur le casque ou le torse. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien d'autre. Je vous fais un petit tour de vue. Hop. Bon, elle est pas très propre, hein, mais bon, le jour où elle sera propre, parce que je fais pas mal de chemin. Bon, je vais vous la démarrer. Hop. Donc là, je suis en basket, mais sinon j'ai un équipement pour faire de l'enduro. J'ai des bottes, une tenue Thor, des genouillères, puis quand j'aurai ma 125, parce que je compte m'acheter une 125 enduro, sans doute KTM. Quand j'aurai ma 125, je pense m'acheter un porte-pierre intégral avec les coudières, la dorsale et tout ça. Voilà, donc je vais vous la démarrer. Donc voilà le bruit, bon, je le trouve assez bien, je l'ai modifié. Je vous dirai pas tout ce que j'ai fait, mais bon, j'ai fait pas mal de trucs.
au niveau de la boîte arrière et du pot. Et je pense peut-être m'acheter un pot ninja par un copain qui en a un pour améliorer les performances. Donc j'ai actuellement 12-13 000 km au compteur, mais là j'ai cassé le câble du compteur qui est juste ici. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et bah, ça c'est chiant, mais bon, je m'en fous. Franchement, la vitesse, ouais, par contre, quand je suis en ville, voilà. Et vu que là je suis en campagne, je fais plutôt des chemins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère acquérir une caméra embarquée très vite pour vous faire des vidéos. Je compte faire des tutos aussi. Des tutos comment passer les vitesses, comment prendre un virage en enduro, même si c'est qu'une 50. Je peux vous apprendre quelques petites techniques. Même si j'y reste encore qu'un débutant. Et voilà, je vous en dis pas plus. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.